bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Nous voilà de retour pour une nouvelle saison des MediaGen Live Gaming pour l'instant. Alors, le concept, vous le connaissez, petite présentation d'un jeu. Je tente tant bien que mal de le prendre en main pour une première fois, un vrai petit déballage. Et cette année, je vais donc le faire en collaboration avec mon ami Croc, qui est là. Le voilà, c'est lui, il est juste dans le coin. Et alors, donc, il est à la régie. Si vous avez, si vous êtes sur le chat de, je vais le dire difficilement, Twitch TV, vous pouvez donc, c'est avec lui que vous communiquez. Si vous avez un message à me faire passer, si vous avez envie de participer, de vous exprimer, c'est par lui que vous passerez. Et bien sûr, il me le reportera immédiatement ici, là, dans le coin, juste en bas. T'as vu, c'est dur, hein, le réglage. Hein. Ça vient, c'est doux, c'est doux, oui. C'est doux. Alors, voilà, donc nous allons ce soir, et pour la première de la saison, tester NHL 13. Alors, bon, c'est du hockey sur glace. Il faut savoir que nous avions la chance pendant l'E3 d'avoir vécu la finale. C'était absolument magique. Alors, c'était magique de l'extérieur, parce que vu le prix des places, c'était assez hallucinant. Je crois que c'était des dizaines de milliers de dollars pour arriver à rentrer là-dedans. Et du coup, c'était la fête à l'extérieur. C'était un vrai bonheur de voir les supporters, pas de bagarre. Il y avait des policiers partout de toutes sortes, hein, des petits trous, des machins à cheval. C'était vraiment assez magique. Et c'était pendant le 3, donc on en a profité. C'était un petit bonus, c'était très très sympa. Voilà, donc tout ça pour vous dire que NHL 13 est donc sorti aujourd'hui ou demain, enfin on sait plus très bien parce que ça arrive un peu en avance dans les magasins. Donc pour la version PS3, pour la version Xbox, il vaut 70€, rien de, j'allais dire, d'extraordinaire, pas de prix au rabais. Par contre, a priori, pour le peu que j'en ai entendu jusqu'à présent, ça a l'air d'être une très bonne mouture. Alors, le hockey sur glace, c'est quoi? La NHL, c'est quoi? Alors en français, on dit la LHN, hein, tant qu'à faire, c'est la Ligue Nationale de Hockey. En fait, en anglais, c'est dans l'autre sens. Voilà, c'est en gros l'équivalent de la NBA au basket. Hein, c'est ça, la NBA, ouais. C'est au basket, c'est la même chose. C'est donc, une ligue professionnelle. C'est la ligue professionnelle, c'est les meilleurs joueurs. Alors, c'était essentiellement nord-américain, donc plutôt canadien au départ, avec les Américains. Et aujourd'hui, ça représente, il y a à peu près 30% de joueurs étrangers qui ont réussi à se glisser au milieu. Et du coup, ça s'ouvre un petit peu vers l'extérieur. Normalement, nous devrions d'ailleurs vous ramener dans la semaine un petit reportage avec une impression de vrai joueur de hockey sur glace, mais on vous réservera la surprise. Ça sera bien sûr sur PS3 Gen et sur Xbox Gen. Voilà, donc, et bien voilà, le jeu se lance, c'est une première. Alors, il faut savoir qu'il est possible de récupérer son profil d'avant, donc de NHL 12, et de démarrer avec son personnage et de pouvoir donc continuer son expérience. C'est plutôt sympa. Alors, graphiquement, c'est plutôt joli, mais nous allons y venir doucement. Qu'est-ce qu'il va me raconter pour l'instant? Appuyez sur la touche Start. Mais je le fais volontiers. Ce titre utilise une fonction de sauvegarde automatique. Oh mon Dieu, mais nous en avons l'habitude. Voilà. C'est parti. Doucement, mais sûrement. Alors, vous le savez, ce n'est pas du foot. Hein. C'est vrai qu'en France, c'est plutôt le foot qui fonctionne bien. Il y a PES qui arrive. D'ailleurs, nous le recevons demain. Nous pourrons vous proposer normalement le test avant le 17. Voilà, alors on continue. Pour accéder au service en ligne de ce titre, il faut se connecter. Voilà, alors il y a plusieurs possibilités dans le menu. Est-ce que vous... Tiens, on va faire un petit test rapide puisqu'on ne l'a pas fait. Le traditionnel, est-ce que vous nous entendez bien? Regarde sur le chat si ça répond plutôt bien. Est-ce que ça lag? Est-ce que ça va? Est-ce que ça se passe bien? Regarde, tout est écrit, nous allons en profiter. Voilà, c'est Croc qui va me le ramener. Donc pour l'instant, je continue. Le match immédiat, donc la possibilité, c'est ce que nous allons utiliser pour démarrer. Créer son équipe de rêve, hein, ça, c'est suffisamment clair. Alors, DG connecté, connais pas, c'est nouveau. Les moments NHL live, connais pas, on va essayer de le découvrir ensemble. Autre mode de jeu, pareil. En ligne, ça on va éviter ce soir, parce que je ne suis pas trop doué. Mon MHL 13, avec son centre de création, etc. Personnaliser l'IA, oh, ça serait bien ça pour moi, je vais les rendre complètement ridicules, comme ça serait plus sympa. La gestion des vaisseaux, enfin il y a plein de choses, c'est vraiment un jeu très très pointu. Et nous commençons la saison avec un jeu dont je suis totalement étranger. C'est pas gratuit, c'est juste pour se mettre en appétit et surtout ne pas déroger à la règle. C'est parti pour un match immédiat. Je me serais bien fait un petit tuto avant.
Il doit y avoir un tuto quelque part. Non, attends, bouge pas. Si je cherche bien. Voilà le didacticiel. Alors pourquoi le didacticiel interactif? Parce que ça va vous montrer un petit peu toutes les possibilités, y compris les nouvelles. Allez, c'est parti. Joueur de chant. On va tous les faire. Tant qu'à faire, c'est un bon moyen de découvrir le jeu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je rappelle que le principe ici, c'est bien sûr de faire découvrir un jeu. Donc on part à la base. Voilà, est-ce que ça se passe bien, Amicroc? Dis-moi, ça se passe bien ou pas? Tout va bien, les gens sont contents. Ils se plaignent qu'il n'y a pas de petit four, mais sinon ça va. Il n'y a pas de petit four, bon, bah tant pis. Le son du jeu, mais sinon. Le son du jeu, c'est bien. Je règle ça dans 3 minutes. Ok, on y va. C'est parti, ça charge. Voilà. Allez, on y va. On essaye, en tout cas. En tout cas, ça nous fait plaisir de te retrouver, de repartir sur le principe des lives, puisqu'il y a plein d'émissions sur le net, nous en parlons un petit peu plus tard. Il y a plein d'émissions qui se créent, il y a plein de choses, mais c'est vrai, nous essayons de garder notre cap et de vous affronter vraiment en direct avec tous les aléas que ça peut générer. Et pour l'instant, cette année, ça commence plutôt bien, a priori, ça change. Avec tous les problèmes qu'on avait eu avant, si tu savais. Bon, par contre, j'aimerais bien... Ah oui, ben, je papote et j'ai oublié d'appuyer sur Start. Voilà, c'est parti. Alors, ici, nous allons tester un exercice de tir. Alors, ce qui est assez perturbant avec les NHL, bon, bien sûr, pour ceux qui ont l'habitude, eux, ça leur pose pas de problème. C'est vrai qu'en jeu de foot, on appuie sur carré, sur croix pour tirer, sur rond pour faire une passe, etc. Donc, c'est une habitude d'utiliser une action. Ici, le joueur se dirige avec le joystick gauche, tandis qu'avec le droit, c'est les tirs. Et c'est franchement, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, tirer avec un joystick, c'est bluffant. Par contre, c'est super intéressant parce qu'en fait, il suffit de taper tac, ça rentre tout seul. Voilà, joli tir, merci. Voilà, donc c'est pas compliqué. Techniquement, il y a deux tirs. Il y a le tir direct et l'aller, enfin, et en reculant et en poussant pour que ça aille plus vite. Mais je pense que vous l'avez entendu plus que moi. Je vais vous dire en secret, je n'ai pas de retour de son. Voilà. Alors, allons-y, utilisez le joystick gauche pour viser et toucher 4 cibles. Alors ça j'aime bien parce que c'est super facile. Tu vises en haut à gauche, vous voyez, c'est pas compliqué, et bing boum. Bon, je dis c'était super facile. Bing bing. Yes. Tire faire d'entraînement, j'y suis arrivé à chaque fois. Témoigne croc. Oui. Voilà. Il a déjà fini le jeu. Oui, on va y aller, bouge pas, je vais. Voilà, on va tirer en bas à droite. Allez, voilà, en bas à droite. En bas à droite. J'ai fait. En bas à droite. Allez. Non, mais il le fait exprès, quoi. Non, il le fait exprès, là, je te jure. Non, il y a quelqu'un qui est rentré dans la boîte. Attends, c'est en haut à gauche, et puis boum. Non, là, franchement, c'est pas cool, quoi. C'est vraiment pas cool. Voilà. Et là, je vais faire un tir simple. Voilà. Yes. Et ce n'est que le premier des tutoriels. En tout cas, c'est pour tirer. Donc, voilà, on continue. Donc, vous avez le tir. Alors, c'est franchement perturbant au début. Alors pour commencer à se battre, il faut appuyer sur la touche triangle. Bon, on va appuyer sur la touche triangle. Alors faut savoir qu'il y a une partie, voilà, c'est absolument énorme. On a le droit de le fighter. Donc pour le prix d'un logiciel de hockey, vous avez le plaisir de lui en mettre plein la tête. Il faut reculer, prendre son élan et lui en mettre encore. Il m'a évité, là il m'évite, voilà. Et du coup, attends, tout à l'heure j'ai... Tiens. Attends. Pour bloquer un coup, voilà. Tiens. La touche L2. Orientez le gauche en bas pour attraper le maillot de votre adversaire. En frappant à ce moment-là. Ah, je crois qu'on est KO tous les deux là. Non, garçon, voilà. Donc c'est rigolo, c'est une petite phase. Alors je sais pas comment ça se répercute dans le jeu, à quel moment, etc. Mais ce que je vois pas faire très... Je sais pas. En tout cas, là, sur le moment, c'est assez amusant. Un peu frustrant, c'est pas un logiciel. Alors, le joystick gauche commande vos patins, le joystick droit votre cross. Et alors là, c'est simple, il suffit d'avancer, faire une droite, une gauche, une droite, et tu tires, feinte effectuée, tout le monde est content. Sauf que je n'ai pas marqué, bien sûr. Voilà, mais c'est pas grave. Faire perdre le contrôle de l'adversaire. Alors ça, c'est un truc que j'ai absolument pas réussi. J'ai essayé, hein, juste avant, promis, mais je n'y arrive pas. C'est lui faire perdre le contrôle du palais avec le R1. J'ai pas réussi, j'ai tout essayé. Voilà. Allez, va le chercher. Voilà, il faut juste que je le contrôle, moi, non. Et bah dis donc que ça va être quand ils vont être plusieurs sur le terrain, c'est pas gagné. Allez, j'ai vraiment pas réussi. Donc là, c'est le R1. Alors franchement, il faut quand même être... Enfin, je pense que ça doit être... Ah, je suis parti en marche arrière maintenant. Ça doit être assez intuitif peut-être à la fin, mais au début, non. Enfin, mélanger les R1, les L1, les L2 pour faire des trucs, c'est franchement au bout d'un moment
ça nécessite pas mal de et alors il faut beaucoup de cases pour rentrer tout et franchement c'est pas simple. Voilà. Allez, dépêche-toi Pépère. Voilà. Oui. On va essayer de voir s'il y a un mode avec que de la fight. Comme... Je sais que les anciens NHL sur Super NES le faisaient, mais est-ce que là ils le proposent toujours? Non, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, tu vois, comme là, je vais pas tarder à abandonner ce mode-là parce que je n'y arrive vraiment pas à lui récupérer sa balle à Pépère là. Ça m'agace vraiment. Il est où? Voilà. Oh, Dieu, c'est terrible ça. Ben c'est pas drôle du tout. Pas drôle du tout. Voilà. Alors, on va quitter parce que là j'abandonne, mais ils vont les moins quitter. Donc celui-là, c'est un truc. Je n'y arrive pas. Hein. Désolé. J'y mets mon cœur, les gars. Hein. J'y mets mon cœur. Et mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a d'autres parties du tuto qui sont plus sympas. Voilà. On va retenir sur mon NHL. Voilà. Donc c'est toujours la partie où on peut faire son tuto. Didacticiel interactif. Voilà. Toujours pareil, rapidos, hein, si ça vous fait plaisir. Si vous avez des questions. Oh, là, pardon. Si vous avez des questions sur la fraîche, la bagarre, les feintes, la défense, le jeu contre la bande. Ça aussi, c'est un truc que j'ai pas percuté. Tu te mets contre. Et la mise au jeu, c'est super difficile aussi. Alors, le jeu contre la bande, il faut arriver à s'accrocher. Bah, je vais vous montrer vite fait. Il faut s'accrocher à la bande, quoi, sur le côté. Et j'ai pas trop compris le principe. J'ai essayé, hein, pourtant, je vous jure, mais non. C'est quand même pas simple. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur NHL, sur le truc que vous voudriez voir pendant que je suis encore en train de charger de ce côté-là? C'est plutôt calme, les gars? C'est plutôt calme? Ah si, ouais, couché, donne. Ok. On va essayer, en tout cas. Allez, on avance. Doucement, mais sûrement. Allez, c'est parti. Vas-y, Popoul. Alors, pour maintenir la touche riante, vous orientez sur la bande. Allez, refermez ça et c'est parti. Regardez. Oh, lui, arrête de parler. Laisse-moi faire. Après, on partira en jeu, mais là pour l'instant, il faut attendre qu'il ait fini. Voilà. On s'accroche à la bande et on avance, mais j'ai pas tout compris. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse vraiment? Il veut qu'on s'accroche, qu'on oriente le joystick gauche vers un endroit et qu'on appuie un R2 pour faire une passe et ben je n'y arrive pas. Voilà, c'est terriblement efficace, mais apparemment c'était juste ça. Et alors là, c'est plus drôle, on vient lui en mettre. On essaie de le coincer contre le bord. Ça ne suffit pas. Bien sûr, je fais exactement ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, on est coincé contre la bande. Voilà. Allez hop. Allez. Et on essaie de lui piquer la balle encore avec cette fameuse touche R1. Et voilà, c'est fait. Yes! J'y suis arrivé à Microc. Merci. Vous avez vu, il y a les applaudissements en direct et sans trucage, s'il vous plaît. Voilà, après, c'est la mise en jeu, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il faut, s'attaquer vite fait à la mise en jeu, mais bon, je vais vous montrer rapidos. Ah oui, si, il y a le didacticiel. Merci. Il y a le didacticiel de performance qu'il faudra essayer, voilà. Allez, la mise en jeu, alors ça, c'est terrible, je n'ai rien capté. Il faut appuyer, pousser, vous allez voir, c'est assez rigolo. Donc, à côté de ça, il est très joli, il faut reconnaître, il est très joli. C'est juste un petit peu, pour un néophyte, c'est vrai que c'est un peu complexe d'arriver à maîtriser. Par contre, une fois qu'on est dans le jeu, on arrive à s'amuser. Voilà, je vais vous montrer ça. Allez, Pépère, charge un petit peu. Sachez que nous avons récupéré aujourd'hui, et je pense qu'on est, nous ne sommes pas les seuls, puisque il est en magasin Tekken dont nous ferons un live demain soir, Tekken Tag Tournament 2. Donc ce soir, nous avons récupéré la version Xbox, demain il sort la version PS3. Nous remercions nos amis de... Comment ils s'appellent déjà? C'est les livreurs qui livrent jamais la... TNT, très nul en transport. Ils sont assez décès. Oui, non, TNT, ils ont encore laissé un papier, comme quoi ils avaient le papier, ils n'ont pas trouvé. Donc du coup, on aura la version PS3 demain et nous pourrons vous le tester. Alors, ici, il faut pousser, tirer vers le bas et filer à coup. Voilà. Pour gagner une mise en jeu, orienter le joystick droit vers une direction, vers l'endroit. Puis tenter de gagner la mise en jeu vers le bas dès que bingo tic 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 et tac tac. Voilà, c'est pas très clair, hein. Orienter le joystick droit dans une direction vers l'endroit, puis tenter de le gagner en poussant vers le bas. J'ai pas trouvé là, j'ai trop compliqué avec mes doigts. Je vais vous montrer. Il faut pousser vers un sens et ensuite en orientant vers le bas rapidement. Voilà,
Je sais pas si j'ai gagné, non, je crois pas. C'est assez complexe, mais je crois que j'allais pas y arriver. C'est pas faute d'essayer, pourtant. Là, voilà. Bon, on abandonne. Je n'ai pas gagné. Le manuel de jeu, ça sera pour une autre fois. Voilà. Donc techniquement, désolé, hein, je ne suis pas un grand joueur de NHL. Ça c'est clair. Enfin, vous l'aviez deviné. Avant, cela dit, il faut le tester. C'est un jeu qui fonctionne bien, qui est bien noté. Donc pour ceux qui s'en servir, c'est un vrai bonheur. Alors, il y a aussi, toujours pareil, donc le didacticiel performance de patinage. C'est nouveau, alors il faut le tester. Qu'est-ce que c'est? Je le découvre avec vous, nous ne l'avons jamais lancé. Ah, il nous parle. Salut Claude, comment vas-tu? Ils exigent une partie en live. Oui, t'inquiète pas, on va y arriver. Mais nous avons un timing, nous le respectons. Contrairement à avant, vous avez vu, nous n'avions pas beaucoup de retard aujourd'hui. Hein, c'était pas mal. Dans le temps. Et nous ferons bien sûr une petite interruption de jeu pour vous faire gagner des petits lots. Parce qu'il y aurait, ce serait dommage de s'en priver. Voilà. Alors il n'y aura pas de jeu en live ce soir, demain seulement. Mais voilà, alors regardez ça, c'est super intéressant. C'est la façon de se déplacer. Donc en fait, il faut pousser le joystick dans un certain sens pour que le joueur démarre. Vous pouvez le faire même demi-tour d'ailleurs, en le prenant à l'envers et le faire patiner à l'envers. Et en fonction, il se fatigue. Voilà. Donc vous voyez, c'est écrit, hein, je pense que vous arrivez à lire. Enfin, j'espère que la qualité est suffisamment bonne pour que vous arriviez à lire. Sinon, et de toute façon, vous l'entendez puisque Claude est en train de le dire. Mais par contre, je ne sais pas s'il le dit en français ou en anglais, par contre, Claude. Si c'est sous-titré, c'est qu'il doit le dire en anglais, en fait. Qu'est-ce qu'on pense de qui entend le son? C'est un charabia anglais, hein, entre le Canadien et l'Américain. Mais... D'accord. Alors, ensuite, il faut appuyer sur la touche avec 3, donc il faut en plus appuyer sur le joystick pour accélérer. Pouf, du coup, il perdra en contrôle et se fatiguera, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bien, allez, on y va. On va essayer de voir ce qu'il dit après. Alors, la créativité, c'est ce qu'ils appellent la créativité, je vous l'ai dit il y a quelques secondes, on peut patiger en marche arrière. Donc ça, apparemment, par rapport au jeu, ça ouvre d'autres, j'allais dire, possibilités, comme celle d'attaquer, de faire un demi-tour, etc. Donc ça ouvre à la créativité, c'est l'équivalent des dribbles, finalement, en foot. Dis-moi, qu'est-ce qu'on me dit de mon côté? Ils veulent des goodies aussi. Ils veulent des goodies, ils se moquent complètement de la NHL, je sais, ils veulent que les goodies, c'est ça? On les connaît. On va faire un petit sauvegarder vite fait quand même, parce qu'il faut quand même que je sauvegarde ce que j'ai fait, hein, l'effectif, le profil plutôt. Voilà, tac, tac, voilà. Je ne veux pas faire compliqué, hein. Voilà. Donc ça c'est fait. Bien, alors, je suis là, la caméra est là, pardon. Donc comme vous l'avez vu, c'est pas concluant au niveau du tutoriel. Alors on va faire un petit tour dans les menus quand même, pour regarder un petit peu ce qui se passe. Alors... Mais avant, comme vous l'avez demandé, un match immédiat. Hein, on va pas se tenter, on n'a pas peur, on y va, c'est parti. On va tenter un match. Alors quelqu'un qui n'a jamais joué, donc je vais me mettre sur les Dragons, si ça vous dérange pas. C'est un petit souvenir de LA. Alors c'est parti, alignement, paramètres de jeu, 5 minutes. Je pense que c'est niveau de joueur pro, non. Non, niveau de jeu, rookie. J'aime bien Rox et rookie, c'est bien. Voilà. Ça me semble bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais ça me semble bien. Voilà. Lancez la partie, c'est parti. Oh, lancez la partie, c'est parti. Fallait oser. Donc, voilà, bah, ça charge. Vous avez vu, c'est assez rare. Est-ce qu'il se passe quelque chose sur le chat pendant que ça charge? Dis-moi, tu peux parler, tu peux te mettre à la caméra. Tiens, et voilà, si tu veux, par exemple. Ils veulent des goodies, ils veulent voir ton grand gameplay aussi, je dirais. Ils sont impatients de voir le grand magicien jouer. Ça ne m'étonne pas. Allez, les moments NHL Live vous laissent prendre le contrôle de votre équipe. Allez, c'est parti. Alors, vous avez vu, j'ai bien placé mon équipe. Tiens, on peut voir un petit peu ce qui se passe. C'est des bonnes bouilles, mine de rien, sérieux. Voilà. Et voilà. Alors, vous avez vu, L1, joystick, contre, fin, déplacement joueur, c'est simple. Sauf qu'il s'en rajoute encore un petit peu, puis il s'en rajoute encore un petit peu. Et je trouve qu'il y a déjà beaucoup de boutons et ça commence à devenir super difficile. Là, vous voyez ce que je veux dire? Non, bah vous allez comprendre dans 2 minutes. Allez, c'est parti. On lance la partie. Nous lançons la partie. Ouais. EA Sports. Voilà, oui. Allez. Ouais. C'est parti.
Tu sais qu'il n'y a pas de vuvuzela dans le hockey, tu vois. Non, c'est... Mmh. Bah, les vuvuzela en même temps, depuis la fin du sud, on a... Ouais, c'est vrai que c'est moins en moins fréquent. Voilà. Ah là là. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Astuce, lorsque l'arbitre orienté le joystick droit, la direction où vous voulez que le palais parte. Voilà. Et bah, il est parti où? Il est parti là-bas. Alors, rappelez-moi, c'est R1 pour récupérer la baballe. Voilà. Attention, alors je suis en noir, hein, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. C'est pas que je sois en deuil. Mais j'ai pris les devants au cas où. Tu me donnes la baballe. Donne-moi la baballe. C'est pas une baballe d'ailleurs, c'est un palais. Attends que je chope la balle, garçon. Et j'ai pas un joueur. Ah si, j'en ai un. Regarde si c'est pas beau ça. Hop, petite passe. Je me suis frappé moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, superbe plan. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, par contre, le jeu est superbe. Faut reconnaître que. Au niveau. Bah, c'est du EA de ce côté-là. Je veux dire, c'est plutôt propre. C'est plutôt sympa, et alors j'ai pas compris, voilà. Allez garçon, derrière. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il a la baballe? Où elle est? Elle est là-bas. Voilà, hop. Allez, regarde ça. Petite feinte et tire. Oh là 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 là, j'ai failli quand même. Allez, on y va, hop. R2. D'accord, on peut changer de joueur comme au foot en fait, c'est pratique. Bon, excusez-moi de dire comme au foot, mais c'est juste que bon, il faut une référence comme une autre. Alors, attends, regarde ça. Hop là, petite passe contre le mur, hop, repas passe, hop, oh là là. Je me suis auto-feinté, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est plutôt pas mal pour un début, c'est plutôt pas mal. Bon, je suis en mode rookie, je vous l'accorde, mais c'est plutôt pas mal. Bon, je comprends pas tout au règle en même temps. S'il y en a qui peuvent m'expliquer ce qui se passe, des fois c'est cool parce que là j'avoue que j'ai pas su pourquoi ça s'était arrêté. Allez, R1, R2, R2 pour changer de joueur. Là, je fais une passe. Une fois qu'on a pris le coup de faire des passes avec le Justin Roy, franchement c'est plutôt sympa. Alors, voilà. Ouais. Alors, le changement automatique de joueur est plutôt bon. Hop, petite passe, hop, petite feinte, et la grosse passe. Mais alors, yes! Ou alors, yes. T'as vu ça? Double petite. Tu nous fais le ralenti là? Tu nous mets le ralenti, ça veut dire, regarde. Feinte, et patatas. Regarde, et classe quand même, classe. Les gars, regarde, feinte. Et rien à dire quoi. Voilà, c'est bon ça. La vraie classe. Voilà, c'est le magicien en pleine action, je dirais. Voilà, c'est sympa. C'est là. Non, mais c'est vrai que ça donne envie d'essayer en fait. C'est super agréable comme jeu. Attends, bouge pas. Je tiens à dire que je suis payé pour dire ça. Oui, en même temps. C'est vrai. Attention, R2 pour changer de joueur. Voilà, hop, petite passe en avant, trop loin. Allez, R1, hop, t'as vu ça, contrôle. Attention, hop. Je crois que je suis reparti sans le palais. Regarde, marche arrière, R2 pour changer de joueur. Voilà. Alors, que vous dire de plus? Que là, je vais faire une petite passe sur la droite et qu'elle part à gauche. Bon, bah, ok, j'aurais essayé au moins, écoute. Hein. Voilà. Je sais plus qui c'est qui a la balle, hein, enfin, qui a le palais. J'arrête de dire la balle, ça fait un peu ridicule au hockey, je crois. S'il y a des joueurs de hockey ici, ils vont prendre un. Ils vont pas. Ouais. Mais vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous fera peut-être une petite surprise cette semaine pour ceux qui aiment le hockey, et il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et normalement, si tout va bien, on aura peut-être une petite surprise dans la semaine, mais vous le verrez, je vous l'ai dit, sur PS3 Gen. NHL prise en main par des gens qui sont plus aptes à le faire. Regarde, petite passe arrière. Non, je voulais faire une passe en fait. En fait, quand tu montes vers le haut ou vers le bas, le joystick, ça tire au lieu de passer. C'est un peu sur. Ouh là là là. C'est pep. Reviens en arrière, reviens. Petite feinte, hop. Ah oui, il va jouer. Voilà. Non, mais là, c'est. Oh là là. Là, c'est. Ok, allez. Allez, R2. Voilà. Oh là 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 là. Vous en marquez? Eh oui. J'ai pas vu. Mais là, c'est pas la peine de mettre le ralenti. On passe directement à l'attaque. Ouais, ça va, il a triché, le gars, c'est tout. Tu contestes? Je conteste pas, je l'ai pas vu. Ce que j'ai pas vu, je peux pas le contester. Hop. Allez, tire sur la bande. C'est pas au billard en fait, c'est trop cool. Je vais essayer de le coincer contre. Pourquoi il s'est arrêté
Voilà, pourquoi ils sont arrêtés tous? Tu vois, c'est bizarre ça. Ça c'est bizarre, il se passe quelque chose et en fait ça continue le temps de... Bizarre. Et ça revient, t'as vu, tout au début de l'action. Alors, s'il y en a un qui peut m'expliquer, parce que je vois pas pourquoi on revient tout au début. C'est une sorte de faute peut-être, et que l'action il recommence. Ouais, c'est... Ouais, je... Et qui se tape sur la figure. Attends, attends, si j'arrive à le choper contre le mur, lui... Non, attends. Je voudrais essayer d'en choper un pour lui massacrer, enfin, pour lui taper dessus. Ouais, triangle là, j'ai fait un triangle. Ah ouais, 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 je crois qu'il a enregistré mon triangle là. Oh le. T'as vu, il y a Hitman dans les. Dans le public. J'ai reconnu, il n'y a pas de cheveux et un costume. Ce genre là. Allez, allez, c'est plutôt sympa comme. Comme jeu. Voilà, c'est parti. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il fait là? Je crois que c'est la fin du premier carton. Je sais pas si c'est des cartons, ok. J'en sais rien. Enfin, y en a des lacunes, hein. Nous avons des lacunes, mais bon, le concept c'est découvrir un jeu, là au moins on peut pas dire qu'on le découvre pas. Si quelqu'un connaît le hockey, on est preneur. Ouais, ouais, c'est sur le chat de Justin. On a des fans, il dit, on a un fan de hockey, c'est déjà ça. Ah vas-y, il est là le fan de hockey? C'est qui? Bah il trouve ça cool, c'est déjà ça. C'est qui le fan de hockey? Monsieur Tiscal, là. Ou madame. Ah, Tisqual? Oui, Tisqual. Je l'appelle Tiscali normalement, mais bon, il n'y a que lui qui peut comprendre. Bah. Alors, eh ben, rapport de match, première pause. Objectif, Persona obtient les meilleures occasions de but. Recherche la passe, il parle de moi, je pense. Exploiter les occasions de but au mieux. Ne pas laisser se créer l'occasion. Bah écoute, c'est... voilà, il parle de moi, c'est ça? Ouais, je pense. Non, en fait, non, ils étaient de l'autre côté. Moi, c'était de l'autre côté. Les... Ah. Voilà, allez, écoute, c'est reparti. Donc, première pause. Et j'ai marqué un but quand même. Je m'attendais pas autant. Bon, au niveau des décors, du public, c'est bon, c'est gentil. Au niveau des joueurs, c'est gentil. Par contre, c'est vrai que graphiquement, ça le fait. Hein, c'est très sympa, quoi. Franchement, c'est très sympa. Voilà, allez, c'est parti. Je sais pas du tout où est le palais. Ah, il est là. Allez, petit R2 pour changer. Allez, Doofy, hop. Doofy, un petit triangle, là. Est-ce qu'on a le droit de se taper dessus? Ok, ouais, on a le droit. Bah, je crois que si t'as un comportement trop agressif, tu peux provoquer une bagarre, quoi. Mais la faute peut se régler par les points. Ça serait la chose. Ça serait bien ça, vous voyez, il tape toujours dessus. Tiens, 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 regarde, je suis parti avec Braun. Braun qui passe la baballe à je Williams. Sais plus comment il s'appelle. Hop. Quoi hors jeu? Il simule. Bah ouais, mais quoi hors jeu? C'est pas cool ça. C'est quoi le hors jeu? Ça veut dire quoi? Il est gentil pour expliquer. Ouais, ils utilisent des mots techniques, on comprend pas, mais hors jeu. Attends, je sais pas, j'essaie de. Doofy revient là, hop. Les gens essayent de savoir si demain il y a un live confirmé. Oui, oui, il y a un live confirmé avec Tekken, il est absolument confirmé. D'accord. Et on a Tekken entre les mains, hein. On aurait pu le faire ce soir. Mais on avait prévu NHL, donc c'est parti sur NHL. Et sur Tekken, par contre, je vous promets de la baston, ça, il n'y a pas de souci. Demain soir, Tekken Tag 2, tournoi. Et sachez que comme il est sorti en magasin, si demain, avec Tekken, vous êtes en possession du jeu et que vous avez envie de vous fighter contre nous, voire contre moi, il n'y a pas de souci, nous prendrons en live quelqu'un, n'importe, pourvu qu'on puisse se taper dessus. Voilà, donc ça sera demain et sans aucun problème. Alors Pépère, pour l'instant, il va falloir qu'on finisse avec NHL. Franchement, j'adore, ça se voit pas comme ça, hein, mais franchement, j'aime bien le... Mais je crois que j'avais déjà aimé l'année dernière, j'ai regardé le MLN que nous avions fait avec la découverte de 12. Et franchement, j'avais déjà aimé à l'époque, je n'ai pas rejoué, j'ai pas eu le temps. Mais l'idée est plutôt sympa, bon, même s'il y a beaucoup de boutons à retenir pour arriver à faire quelque chose. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Mise au jeu, c'est marrant ça, c'est un terme très canadien, hein. Pas mise en jeu, mais mise au jeu. Oui. Non mais tu peux le dire, vas-y. On nous demande si... Fais-toi apparaître à l'écran, tu peux, n'hésite pas. Allez, encore c'est parti, bon moment de gloire. Voilà, nous avons quelqu'un qui nous demande s'il y aura des lives seulement sur les jeux qui sortent sur le PSN ou donc les autres plateformes, si j'ai bien compris. Ah non, il y a le... Ou c'est savoir si Tekken sera sur le PSN ou sur autre chose, peut-être. Ah, bah, Tekken, nous l'aurons demain sur les deux consoles. Donc si quelqu'un l'a sur Xbox, il n'y aura pas de problème, on jouera sur Xbox. Bon, bien que sur Xbox, j'ai eu pas mal de... Beaucoup de mal, très personnellement, et Rufo aussi, d'ailleurs. Puisque Rufo The One était là tout à l'heure, il est en train de préparer, comme notre ami Saint Peach, coucou Pichounet, et notre ami Kabuto Rider, coucou... Ah, j'en ai pris un. Ils préparent leur départ samedi pour le Japon, pour nous ramener des nouvelles fraîches du Tokyo Game Show. Et oui, sur le Tokyo Game Show, nous aurons donc Saint Peach, Kabuto Rider, et Rufo The One,
qui seront là pour couvrir cet événement immanquable. Enfin, immanquable, si on n'a pas peur des radiations, ils ont décidé d'y aller, alors ils y vont. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'y serais pas allé, d'ailleurs, j'y vais pas. Moi, j'ai pas envie d'être phosphorescent. Mais... Moi non plus, mais enfin, Kabuto, il y est déjà, donc... Allez, puis bon, franchement, il faut bien des courageux, hein. Regarde ça, attention, attention, attention. Allez, allez, allez. Le mec s'appelle Plastique, non, Plastique. Allez, allez, allez. Oh là là, je le sens pas quand même. Allez, allez. Voilà, donc, vous avez vu la partie, c'est bizarre, j'en ai demandé 5 minutes, je trouve que ça fait long 5 minutes, à moins que ce soit 5 minutes le temps, je sais pas. Et c'était peut-être pas le temps global, parce que là, ça me paraît super long. Je suis, allez, allez, R1, R1, alors il faut faire R1 pour lui récupérer la baballe. Et R2 pour changer de personnage pendant qu'on n'a pas la main. Voilà. C'est pas compliqué, bon, du tout. Finalement, c'est simple, faut se rappeler. Attends, un triangle, là, j'aimerais bien mettre un triangle dans la tête. Triangle, triangle, triangle. Non, non, non. Là, c'est pas le bon. Si, 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 si. Oula. C'est quoi cette lumière? C'est quand ça rentre, c'est ça? Coco. Et c'est ton gardien s'appelle Quick, quand même. Quoi, je tiens à le faire remarquer. Hein. Ouais, mais bon, j'avais McDonald's, mais il était trop cher. Quoi qu'en Allemagne, les McDonald's, quand même, je vous rassure, pour vous donner une idée. Regarde, regarde. Non, qu'est-ce qu'il fait là? Non, j'étais tout seul là. Oh, oh, oh. Bah, en même temps, c'est pour ça que lui, j'étais en jeu, sans doute. Si j'étais tout seul, c'est pas normal, c'est ça? Et oui, les McDo, quand même, le menu complet, 3,69€. Notez bien, 3,69€ pour un sandwich, une boisson et des frites. C'est quand même, je sais pas, entre l'Allemagne et la France, il y a un différentiel de Big Mac, 2€. Juste le sandwich. Ouais, c'est impressionnant quand même. Franchement, les piles 9 volts, 1,69€, les deux. Ici, j'en ai regardé tout à l'heure, 4,50€. Donc franchement, l'Allemagne, c'est autre chose. Bon, on revient sur NHL, le hockey. Voilà, donc allez, je vais encore essayer de terminer. On va essayer de terminer. On est sur la deuxième mi-temps. Je pense qu'on devrait pas rester beaucoup de temps. Je sais pas trop. Je pense à un tiers-temps. Parce qu'il y a 3 points en dessous. Ah ouais. Est-ce que quelqu'un sait? Ouais, combien il y a de mi-temps? Hop, attention. Hop, 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 hop. Fin de tir. Tout poutou. Passage. R1 pour la récupérer. Ça a marché. Non, mais il se passe quelque chose encore. Il leur arrive toujours quelque chose. Un petit coup de poing dans la tronche là. Vas-y. Ah bon, c'est fini. Voilà. Bien, on va profiter de... 3 fois 15 minutes. D'accord, donc là c'est 5. Ok, donc nous allons profiter de cette pause en jeu pour... tiens, bonjour monsieur le papillon de nuit. Tu vas sortir de là. On me demande s'il y a des trophées dans le jeu et s'ils paraissent durs à réaliser. Alors, on va regarder les trophées. On va regarder les trophées, on va le faire ensemble justement puisque c'est le moment de faire les trophées. Allez. Attends, le moustique. Alors, le trophée. Les trophées sont là. Donc, les trophées doivent être l'équivalent des succès sur Xbox. En général, c'est le cas. Il va juste falloir que je les retrouve. Trier par date de mise à jour en partant du haut. Voilà. Tiens, si vous voulez profiter de nos trophées, sachez qu'il y en a un peu beaucoup quand même. Un peu beaucoup. Allez, remontre-moi jusqu'en haut. C'est bien. Trophée NHL 13. Voilà, alors on va les découvrir ensemble, parce que comme vous le voyez, j'ai pas eu le temps de les débloquer encore, voilà. Alors on va regarder s'il y en a beaucoup, de masqués. Alors, donc ça c'est pour le... Vous l'avez compris, c'est pour le... Non, on va les classer par rang au cas où, trier par rang, voilà. Ça c'est, bah, c'est le platine. Niveau or, qu'est-ce que ça donne niveau or? Est-ce que c'est difficile? En tout cas pour moi ça a l'air totalement infaisable. Hein. Alors ça c'est accroché... Alors, on va les regarder mieux comme ça vous saurez quand on unlock des... Ah, je peux pas unlocker, pourquoi? Je sais pas si on a des bugs, là. Ah non, ça c'est... Bah ouais, c'est bizarre, ça. Ah oui, c'est parce que je suis en jeu. D'accord. Légendaire, sans peu... Alors, on va regarder un petit peu. Légendaire, attendre le statut de légende 1 avec votre pro en ligne. Ça, à mon avis, c'est pour un joueur normal, ça devrait aller. Pour moi, non. Prendre sa retraite avec le statut de légende en mode devient pro avec un pro créé. Là, à mon avis, c'est... Faut quand même se prendre sa retraite. Ouais, c'est-à-dire arriver et finir tout, tu vois, c'est, à mon avis, il y a du bout de temps. Terminer 30 matchs réguliers de ligue de hockey sans pénalité. Ouais, ça doit être jouable, ça. Ouais. Atteindre le statut de pro 1 avec pro en ligne. Bon, c'est pas loin de la retraite. Remonter la patinoire depuis l'arrière de votre cage et marquer sans passer. Ouais. Tout à l'heure, j'ai presque réussi. Ouais, voilà, c'est un peu le joueur héroïque, en fait. Ouais. Marquer un but alors que vous avez fait sortir votre gardien. D'accord. Soulever la coupe et Stanley en devient pro, voilà, jouer et gagner un trophée individuel en mode devient pro. Le statut de DG légendaire en mode devient DG.
participer, gagner le match, la coupe ça l'est. Bon, je vais les avancer, hein. C'est comme ça, vous les voyez tout seul tranquillement. Normalement, ça devrait être suffisamment lisible. Collection complète, regrouper tous les éléments, joueurs, maillots, logo d'une équipe dans l'album équipe de rêve de hockey. D'accord. Bon, c'est une petite chasse au trophée à l'intérieur. Finalement. En match de ligue de hockey, faire un arrêt plongeant en prolongation comme gardien. Ok. Les playoffs. Voilà. Il y a aussi des playoffs C'est marrant, les Américains, ils sont plus fun dans le jeu. Hein. C'est plus fun que le foot. Ils sont toujours en train de râler. Mais bon. Même pas peur. Ah, ça, j'aime bien celui-là. Faire passer le penchant de votre équipe à zone neutre. J'ai rien compris. C'est-à-dire, tu vois, à mon avis, c'est un petit peu comme comment ça s'appelle ? Ça doit être l'humeur globale de l'équipe. Plutôt attaquant, plutôt défensif. Et là, tu dois être neutre. Bon. Ça doit être pas trop difficile. Marquer en patinant la vitesse maximale, opportuniste. Opportuniste, c'est quoi ? Marquer un gardien. Sincèrement, ça a l'air. Je vais avancer doucement, parce qu'on va pas tous les passer, il y en a quand même longtemps. Et a priori, comme souvent dans les jeux de port, il n'y en a aucun qui soit caché. Voilà. Donc, franchement, je pense que pour avoir un platine là-dessus, il doit falloir quand même être un dieu du pad, parce qu'il y en a quand même qui me semblent complètement fous, quoi. Marqué quand un gardien est étendu sur la glace, opportuniste. Ouais. On va me faire quelques parties pour ça. Voilà. Donc les trophées, c'est là. Voilà. Donc ça me semble pas complètement irréaliste. Voilà, on va profiter de l'arrêt pour faire un petit concours. Qu'est-ce que tu en penses, mon ami Croc? Je pense que ça va être intéressant. Hein. Alors... Il y a plein de choses à faire gagner en plus, je vais être content. Alors, vous posiez la question si nous avions une préférence de plateforme. Non, pas du tout. C'est juste que là, le jeu, on l'a pris. Ce soir, on va faire gagner un petit tour de cou Kinect. Nous allons faire gagner un t-shirt Mediagen. Alors, Mediagen, pardon. Alors, profitez-en. Parce que sans vous révéler grand-chose, profitez-en. Ces t-shirts-là vont être bientôt très collector. Voilà, il y a un t-shirt. Nous ferons gagner aussi en fin de soirée et nous vous donnerons le gagnant demain. Nous ferons gagner aussi un sport pack dans lequel vous avez vu. Voilà, ça vous fera plaisir pour ceux qui ont un move. C'est un sport pack Logic 3 qui nous a pas été offert du tout par Logic 3. On l'a acheté avec nos petits sous à nous. Non, on l'a acheté avec nos petits sous. Et ce qui donne que c'est plutôt sympa. Ça fait un petit air de oui. Et regardez, comme nous sommes sympas avec vous, il est totalement neuf. Hein, il n'a pas servi. Là, vous mettez le truc là-dessus, et la petite... Et franchement, hein, sympa quand même. On est sympa avec vous. Et c'est offert par Mediagen. Voilà, acheté et offert par Mediagen. Ça peut être sympa, ça, quand même. Voilà. Alors, ce soir, profitez-en. Pas de ni non. Ce soir, pas de choses compliquées. Vous aurez simplement à répondre et aller sur le site et proposer une réponse à la question que nous allons vous poser. Alors... Quelle question allons-nous poser? C'est une bonne question. Je vais y venir dans quelques instants, mais pour l'instant, est-ce que vous avez bien vu tout ce qu'il y avait à gagner? Ouais, ça a l'air de leur faire plaisir. Oui. Ça a l'air simplement. Voilà. Bon, il n'y a pas la chance. On va remontrer le move. Waouh, donc ça, la mise en scène et tout, c'est. Oh, il y a du progrès quand même, les gars. Il y a du progrès. Sachez que NHL 13 sera aussi à gagner sur PS3 Gen dans un concours prochain. Cette semaine, regardez bien, si vous n'avez pas été sur les sites depuis un certain temps, il y a un concours pour gagner Spider-Man, The Amazing Spider-Man, pardon. Il est à gagner en répondant simplement, comme d'habitude, à 3 questions, plus une question subsidiaire. Combien pèse, blablabla, blablabla. Vous l'envoyez, vous êtes inscrit sur le site, vous pouvez participer. Et bientôt, peut-être la semaine prochaine, ça sera NHL 13 qui sera à gagner. Et juste derrière, il y aura, cette fois-ci sur Xbox, toujours pour répondre à ceux qui pensent que nous ne faisons pas les autres versions, il y aura le Tekken sur Xbox, Tekken Tournament 2, qui sera mis en jeu sans doute la semaine d'après. Voilà, de toute façon, toutes les semaines, nous mettrons un jeu à faire gagner plutôt que les garder dans nos stocks, même quand on les achète, car ceci ne nous a pas été offert par EA, non. Non, non, EA, ça, ils ont oublié. Ils ont oublié. Ils ont eu aujourd'hui, ils n'ont pas rappelé au téléphone non plus. C'est pas bien. Mais c'est pas grave, ils le referont. S'ils nous l'envoient de toute façon, on en fera gagner un deuxième. On est comme ça, on achète les jeux ou on nous les donne. Dans tous les cas, on vous en fait profiter. Nous vous en ferons profiter toutes les semaines. Voilà, si nous continuons maintenant, pour gagner, ne vous inquiétez pas, cette question, je vous la poserai juste après. On continue ? On continue. Nous continuons. Alors, du côté des Kings, bravo pour avoir évité la prison.
Ah, ça, je sais ce que c'est la prison. C'est quand il y a des fautes un peu trop violentes, on met un joueur, ce qu'on appelle en prison, c'est on l'éjecte du terrain pendant un certain temps. Et je touche 20 000 euros ou 20 000 dollars canadiens quand je rentre dans la boîte ou... Non, okay. Non, tu passes pas par la case départ. Réglage coaching, priver d'angle de tir et lancer les contres, jouer face au palais, décaler le centre sur le contre. Bien. Bon, c'est clair. On y va, c'est parti pour le troisième quart-temps, c'est ça? Non, il y a trois quart-temps, non, trois tiers-temps. Je pense que c'est trois tiers-temps. La pré-Tiscali, c'est trois tiers-temps de 15 minutes. Ça, il va aimer quand tu l'appelles Tiscali, il va être... Vous avez commencé. Tiscali puis toujours. Ah, par contre, vous avez vu, les plans, c'est toujours les mêmes. Hein. Je suis un peu... C'est un peu répétitif. Le public rend bien. Il rend bien, il rend bien, mais c'est un peu répétitif quand même. Mais je dirais que c'est beau de loin, en fait. Voilà. Allez, mais là, on est un peu collé à la télé. Faut être raisonnable, faut être réaliste. Alors, attention, c'est parti. R2 pour changer de personnage. Ici, ce que je lui ai mis dans sa tête à mémé. Oh là là. Oh non, je me suis trompé de bouton. Pourquoi on tire avec les joysticks dans ce de jeu? Pourquoi on tire pas avec le bouton comme dans tous les autres jeux? Mais pourquoi? Quel est le mec qui a été assez tordu pour faire ça? En même temps, c'est rigolo, mais... Tant que j'étais tout seul devant... Allez, prends ça dans la tête aussi. On va dire, oh, c'est un sport où on peut vraiment fracasser mémé, hein. Regarde. Hop. Ah non. Non, je comprends pas pourquoi. En fait, j'ai l'impression qu'on garde trop la balle, on fait trop le palais, on est hors jeu. Souvent. Parce que c'est pas normal qu'on soit hors jeu, tu vois, qu'ils ont eu le temps de remonter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît dans le public, ici, en assistance, qui peut nous expliquer la règle du hors-jeu? Oh, ok, parce que là, franchement, je suis complètement dépassé. Allez, Pépère, montre à papa, allez, mémé, hop! Un petit R1 dans les pattes, oh mon dieu! Oui, il s'est fait une passe derrière, mais c'est moi qui récupère, hop! Alors, regarde ça, hop, passe, hop! Par contre, j'ai pas trouvé la puissance de tir pour faire une passe au lieu de tirer, en fait. Ça paraît idiot ce que je viens de dire, mais par exemple, là j'ai voulu faire une passe et il a tiré quand même violemment pour faire une passe. Voilà. Allez, Pépère. Tout seul. T'es un dieu, tu tires. Et tu passes à mémé. Non, tant pis. Allez. Là, couture, tonton. Regarde ça. R1, prends ça dans les dents. Passage. Allez, fonce. Hop, dans l'autre sens. Ouh, comme je l'ai feinté, Pépère. Ouf. C'est sympa comme jeu. Attends, bouge pas. Je vais lui mettre un R1 dans les dents. Bon, c'est R1, c'est R1. T'as l'arrière? Non, on peut pas. Bah si, on peut. J'ai pas arrêté, mais ça a pas bien fait. Oui. Copitard. Copitard. Ouais, elle était belle. Elle était belle, mon action, quand même. Elle était belle. Ouais, elle était belle. Tu dis qu'elle était belle? Elle était belle. Okay. Bien, allez, on revient sur le jeu, c'est parti. Allez, là, il faut avancer, planter, essayer de récupérer la balle. Donc ça, j'ai toujours pas percuté comment on pouvait arriver à récupérer la balle. Promis, hein, on vous fera pas toujours le coup du jeu qu'on sait vraiment pas jouer, mais là, c'était le challenge, c'était faire découvrir. Est-ce qu'on peut s'amuser avec un jeu qu'on ne connaît pas du tout, même quand on connaît pas du tout le jeu du tout? Oh, comment c'était beau. Regarde, j'ai récupéré R1. Ah, on a l'explication de Tiscali. Par Nathan. Non. Nathan, bonjour Nathan. Hockey sur glace, la rondelle ou palais doit pénétrer entièrement dans la zone d'attaque délimitée par une ligne bleue avant tout joueur de l'équipe offensive. D'accord. Merci Nathan. Allez, petite passe là. J'avais des images bizarres en le lisant, mais non, c'est ça. Moi aussi, ça doit faire mal quand même. Ouais. Ça doit faire mal. Allez, regarde ça. Non, mais c'est bon, on y prend goût à ce truc-là, c'est dingue. Hein. Juste à prendre la... Ah, Brown. Ouais, regarde, hop, feinte, gauche, droite, hop, ouh, qu'est-ce qu'il a évité la pépère, Après, Niemi est réputé pour être un très bon gardien, tu le connais bien, oui. Chez les Sharks. C'est, en plus, il boit beaucoup d'alcool, Noémie Campbell. Allez, j'ai osé, et je tire. Et j'ai pas tiré, en fait, j'ai été contré. C'est pas simple, hein, les mineurs. Mais attends, bouge pas. Oula! Oh, mais on peut vraiment les tacler comme des fous, c'est excellent, quoi. Attends, c'est pas des mobilettes comme au foot, le mec, à peine tu le touches, comme les Italiens, tu sais. Ah, j'ai mal, ça y est, je meurs. Ah, c'est plus proche du rugby sur glace, quoi. Ouais, c'est pas vrai. Mais là, je vais essayer de frapper, je vais essayer de déclencher une bagarre, parce que ça donne. Oh, tu as vu, il a mis un coup entre les pimes, t'as vu? Ouais. Pif sur les fesses, là. Résumé.
Allez, pêche-toi. Allez, on va vers l'arrière. Et oui, on avait une moustique de... Oh, c'est moi qui ai tiré, je crois. Qu'est-ce qui se passe là, Williams? Pour passer le palais, appuyez sur R2. Ah ben voilà. Ceci explique. Oui, mais en même temps, R2, c'est quand t'as pas le... Ah, quand t'as pas le palais, R2, tu changes de joueur. Quand t'as le palais, tu le passes. D'accord, ben voilà. Voilà, il fallait me le dire, les gars. Pourquoi vous le dites pas, moi? Allez, R2, regarde. R2, il se passe rien. Oui. Ah, oui. Ça change tout. Regarde. Hop. Oh, oui. Hop. Et vas-y, tire, patate. Oh, R2, D2. Coulé. Ouais, elle est posée, celle-là. Ralenti. Monsieur Justin Williams. Oh, allez, on va quand même essayer de... On finit la partie. Non, on va quand même pas faire ça pendant... Si, il est quelle heure? Eh, on va devoir arrêter dans quelques minutes. T'as vu, il y a du monde sur Skype aussi, hein. Ça papote sur Skype. N'oublie pas que il y a aussi Skype. Je l'écoute. Allez, encore 5 minutes avant de... J'aimerais bien qu'on sache où on en est, là, parce que 2 à 2. Mais combien il reste de temps, là? 1 minute 13. Allez, c'est parti. Allez, 1 minute 13, quand même, on peut se le faire. On va pas arrêter là. Allez, c'est parti. Voilà, ça donne envie, en fait, hein. C'est... Ça paraît pas, mais c'est... Eh, il n'y a plus gardien, là! R2, hop! Patate, y a pas le gardien, profite-en. Ouh, comme il a mangé sa mère. Attention. Quoi? J'ai pas dit le gros mot. Il a mangé sa mère, ça veut absolument rien dire. Mais un petit R1 là, petit triangle, triangle. Non, tiens, mais je crois que tu vas marquer. Hein. R2. Non. Signal de hors-jeu. Il est dans la tête, regarde. R2, hop. Ouh là là, je vais lui mettre un triangle dans la tête à lui. Voilà, R2. Feinte, tire. Qu'est-ce qui se passe? Pénalité 21-1, c'est quoi? Mais il me fait quoi là? C'est moi qui suis en prison? Dans le trou? Allez, pépère, go! On va pas cesser à battre comme ça. Allez, R2, hop. On va prépare la baballe. R2. Voilà, coup plus tard, hop, R2. R2. Il faut pas non plus faire R2 parce qu'ils sont trop près. Triangle. Allez, on lui met dans la tête là. R1. Ah, c'est la fin. Allez. Oui. Oui, 2-2, ça me va très bien. C'est comme si j'avais gagné, mais sans perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est bien. Allez, voilà. Bon, ben, je pense que c'était plutôt concluant. Voilà. Reprendre, ralenti, gestion des petites. Voilà, bon, je peux pas vous donner plus que ce que je voudrais, parce que je suis un véritable débutant, désolé, mais bon, l'idée est quand même fort sympathique. En tout cas, ça donne envie d'y jouer. Question, est-ce que après avoir vu cette petite démonstration, vous auriez envie de jouer à NHL? C'est sur le chat Justin ou sur Skype, si vous voulez, que vous pouvez nous répondre. Tiens, je vais jeter un petit coup d'œil vite fait au moment NHL Live, voir un petit peu ce que c'est, parce que j'ai aucune idée de ce que c'est. Alors moment réel de la NHL 2012-2013, bah 2012-2013, aucun moment 2012-2013 téléchargé, c'est normal. Voilà, au moins j'ai essayé. Et ben on y va, c'est parti. Alors Mario le magnifique égalisé un record NHL avec 8 points inscrits en finale de la division. Patrick contre les Flyers de Philadelphie, en contrôlant Mario le mieux dans la NHL, inscrivez 3 points dans les 8 dernières minutes de match. Arriverez-vous à se faire répéter l'histoire? Ok. D'accord. En fait, on revit des moments vrais, pardon. C'est bon ça. Mais je crois pas que je vais y arriver. Non. J'ai pas marqué 3 points dans un match, alors en 8 minutes. Non, puis on va pas le faire, hein. C'est juste pour regarder à quoi ça ressemble, c'est plutôt sympa. On va pas imposer ça. Donc ça, c'est plutôt sympa comme idée. C'est on revit des moments historiques. C'est plutôt sympa. C'est pas neuf, hein, mais c'est... Enfin, ici peut-être. Je ne me rappelle pas d'avoir vu ça dans 2012. Mais c'est plutôt sympa. Allez, appuyez sur la touche Start. Vite fait, voir ce que ça donne un petit peu. Voilà. Le mieux. Il peut faire mieux déjà. Allez, c'est parti. Oh, c'était facile ça. Oui, je sais. Désolé, je ne fais plus. Allez, hop. Alors, je suis toujours en noir, c'est ça ou pas? Oui, je suis en noir. Attention. Mais qu'est-ce qui... Pourquoi il... Ah, c'est parce que je suis un joueur, là. Là, il faut que j'aille là, Ah, il me dit où je dois aller, c'est bon, ça. Allez, passe la baballe. D'accord. Là, par contre, les autres pilotes, les autres joueurs sont... C'est bizarre, on peut pas avoir le contrôle. Ah oui, en fait, on joue un seul joueur, en fait. Ok, j'ai compris. Donc, faut que je reste dans les cages si je veux marquer.
c'est pas le mieux qu'à marquer, mais c'est mieux. C'est mieux. Bah, le but y est. Le but y est. Voilà, donc là on joue un seul joueur en fait, c'est un petit peu. C'est plutôt sympa d'ailleurs. Donc il faut être au bon endroit pendant les 8 minutes qui suivent, ça on va pas vous l'imposer parce que sinon c'est pas possible. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions pendant que nous y sommes? Est-ce que vous avez dit que ça vous tentait ou pas? Qu'est-ce que tu me donnes? Vas-y, alors passe non, ta les caméra gens sont sur toi, garçon. Ils votent pour que tu t'améliores, hein, ça c'est indéniable. Oui. Mais bon, leur avis est que pour y jouer, le multijoueur ils sont pour. Payer 70€ pour ça, non. Mais bon. Et ah, ils veulent te revoir sur Battlefield 3. Oui, ah bah ça c'est un souvenir, hein. 35 fois abattu pour arriver à passer au premier niveau, ça j'avoue. Mais oui. C'est mieux là, je suis meilleur à NHL qu'à Battlefield, mais Battlefield revient bientôt, donc de toute façon, on le verra. Autre mode de jeu, donc je suis curieux de savoir, je découvre. Mode devient DG, devient pro, devient une légende. Mode playoff, mode saison, mode tir au but. Pour pas se tendre là-dessus, je pense qu'il n'y a pas en ligne. Tir au but en ligne, communauté, ligue de hockey, e-sports, mon NHL en ligne, il doit pas être terrible mon NHL en ligne. D'ailleurs je crois que je ne peux pas me connecter puisque je ne suis pas en 4.65, donc c'est pas la peine que j'aille. Défunt te défie et dit qu'elle peut te kill ou elle peut te poutrer à Tekken. Et ben demain tu... Non mais Défunt c'est normal, c'est mon fils. Ah Mais il m'a gagné une fois le nounou, donc c'est depuis, je crois, j'étais fatigué. J'avais mal dormi, et puis faut le laisser gagner, tu comprends, c'est faut développer l'enfant, tu vois, parce que si ouais. Tu brimes l'enfant en gagnant c'est toujours, bon. Après il croit qu'il est pas bon, et il se suicide. Voilà, tiens, on va regarder mon équipe de rêve de hockey. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Je suis pas sûr d'arriver à me connecter avec le 461, apparemment il me dit pas de mettre à jour, dis donc, c'est étonnant ça. Ah, oui, il faut que je mette à jour le jeu, et ça je ne peux pas sur cette console pour l'instant. Ce n'est pas grave, ça sera fait la prochaine fois. En tout cas, voilà, on a fait un petit peu le tour du programme. Voilà, donc est-ce que vous êtes prêts pour la question? Est-ce que vous êtes prêts pour la question qui vous permettra de gagner pour le premier ceci, pour un autre cela. Pour le suivant, ceci, c'est-à-dire un petit lanyard Kinect, un t-shirt Mediagen et surtout le kit parfait du sportif au Move. Non, vous ne serez pas ridicule, c'est vachement rigolo de jouer avec ça et c'est pas avec humour que je vous le dis, on s'éclate vraiment. Et même si ça ne sert strictement à rien, surtout que le Move en plus... participant à la réalité augmentée, tu vois ta main dedans, donc c'est vraiment ridicule. Mais c'est rigolo, on se sent... plus sympa en ami. Et mon Dieu, la question est simple, vous allez envoyer à l'adresse suivante, nous ne l'avons pas écrit, c'est dommage, tiens, on n'a pas pensé à l'écrire sur le truc, mais c'est pas grave. Oh, tu sais quoi, non, j'ai une idée, on va faire plus simple, on va tirer au sort sur Justine, tiens. D'accord. Alors, je vais vous poser, tiens, on va faire encore plus simple, tiens, regarde. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas improvisé en direct. Alors, pour gagner ce petit lagnard. C'est un lagnard pour le mot exact. Ou un tour de cou, comme disent nos amis canadiens. Un tour de cou. Je sais pas prendre l'accent canadien. L'accent belge, oui. L'accent suisse, oui. L'accent canadien, j'y arrive pas. Difficile, le québécois. Ah ouais, c'est un truc. Alors, pour gagner ça, il faut être... alors, vous allez répondre sur le chat de Justin TV. Qui s'appelle maintenant Twitch TV, sur Twitch TV / Mediagen, puisque vous êtes là, vous le savez, vous êtes sur le live. Vous allez répondre, vous allez écrire NHL 13 et nous prendrons celui qui aura répondu à la 33e position. Allez, vous écrivez NHL 13, simplement NHL 13, vous validez, vous l'écrivez autant de fois que vous voulez, vous faites tout péter, nous on va compter à 33, on s'arrête, c'est pas compliqué. Allez, on va voir si vous êtes ne serait-ce que 33 ou si vous êtes 33, parce que je suis très curieux de savoir qui veut gagner un lanyard Xbox, tu vois. Il y en a qui commencent, ils sont que deux à vouloir gagner, on va jamais arriver à 33. Hein. Allez, attention, 5, 6, ça commence à arriver, je le sens bien. Vous avez vu, les jeux sont pas compliqués, hein. Tiens, pendant ce temps-là, je vais... Ah non, Tiscal, NHL 42, ça ne compte pas. Non, c'est pas parce que tu dis un plus gros chiffre que tu vas gagner. Tiens, tu peux remettre deux secondes l'image avec le jeu, s'il te plaît. On va leur montrer comment on débloque les trophées. Voilà.
C'est parti. Oh, ah, oui. La jolie image verte. Oh là là là. Oh, il y a un plantage là, tiens. Ouh. Ah bah ça manquait. Ouais. Oh. Oh là là. C'est joli. Bah c'est pas grave, on démontrera pas comment on débloque en direct les trophées. Alors on en est où là? Ah oui, il faut que tu recomptes du coup. Ouais. On a 12. Ils sont que 12 les gars. Et oh, c'est vrai qu'on est 17 hein, ce soir donc. Ouais, je sais, mais c'est pas grave, tu peux l'écrire plusieurs fois, 3, 4, ouais. 5, 6 fois. C'est pas c'est un jeu de stratégie, il faut prévoir. Je suis tout vert du coup avec la lumière verte de la console qui part en sucette complet. Bah t'as un peu vert que ça plante aussi, je pense. Voilà. Bah aussi. Allez, on va éteindre la console. Voilà. Allez. Allez les gars, battez-vous. Battez-vous un peu. Et on est à 15, 16, 16, 17, 18. Allez, allez, prenez un copier-coller, c'est pas compliqué. 18. Mon papa est un alien. Oui, pourquoi pas. Mon papa est un alien, c'est vrai, tiens. C'est oui, je suis vert. Oui, voilà, j'avais pas. Oh là. Alors, pendant que vous faites ça, on va préparer la deuxième question que vous pouvez noter pendant que vous continuez à appuyer sur NHL 13. Pour gagner le t-shirt, vous envoyez tout simplement un petit message à groupe.mediagene@gmail.com. groupe.mediagene, tu peux remettre la console, groupe.mediagene@gmail.com, et vous mettez un petit mot en disant je voudrais gagner un t-shirt. Bien sûr, l'objet, vous mettez concours t-shirt Mediagene, concours t-shirt Mediagene, vous l'envoyez à groupe.mediagene@gmail.com. Et vous nous dites, j'aimerais bien gagner le t-shirt, s'il vous plaît, ça suffit. Et nous tirons au sort et je vous donnerai les gagnants demain. D'accord ? De la même manière, si vous voulez gagner, je sais plus, tu sais que tu as remis que la vidéo, du coup tu m'as pas remis moi, donc je parle dans le vide, donc juste tu me mets, voilà, c'est parfait. Si vous voulez gagner ceci, alors là ça sera un petit peu plus compliqué. Vous allez sur PS3Gene. .fr bien sûr, et vous connectez, vous n'aurez pas le choix, et vous m'envoyez un petit MP, un message privé dans le forum, à mon attention, magicien, c'est pas difficile à avoir, un magicien avec un X, et tu dis, ouh, magicien, je t'aime, je t'adore, j'aimerais bien être celui qui gagne le kit de Sport Pack pour mon truc. Voilà, vous m'envoyez ça en MP sur PS3Gene, c'est pas compliqué. Tout simplement, voilà. Donc pour gagner ceci, vous mettez un MP sur PS3Gene, merci. Si vous voulez gagner ceci, vous envoyez un mail à groupe.mediagene@gmail.com en disant je voudrais gagner s'il vous plaît le t-shirt. Et pour gagner le Kinect, on va choisir au hasard, dans pas longtemps, il devrait y en avoir 33 quand même. Ok. Et pour gagner le jeu, ça sera la semaine prochaine, sans doute un concours sur PS3Gene là aussi, sachant que Tekken, ça sera sur XboxGene pour ceux qui ont une Xbox. Vous savez tout, on en est où? 28, 29, 33e Maxime. Alors, Maxime, M-A-X-H-Y-M-E, puisque tu nous écoutes. Non, M-N. N-E ? M-N. Bon, M-N. Maxime. Hymne. Ah, hymne. Max, hymne. Tu vois, le Max, le grand hymne, tu vois. Mmh. Alors, Maxime, si tu nous entends bien, bah, tout simplement, tu envoies un petit message à groupe.mediagene. Non, mieux que ça d'ailleurs. Il y a du message privé sur. Non, je peux le bannir. Tu peux le bannir, mais il n'y a pas de message privé. Je peux l'exclure temporairement, mais je ne suis pas sûr qu'il veuille. Voilà. Eh bien, écoute, Maxime, tu nous envoies un petit message à groupe.mediagene@gmail.com. Ou tu nous, non, tu nous rejoins sur Skype. Tiens, tu nous rejoins sur Skype. Skype, c'est Mediagene. Tu peux regarder le Skype, je ne me souviens plus ce que c'est d'ailleurs. Ça fait tellement longtemps qu'il est là. Skype de Mediagene. Ouais, il est là. Allez, tac. Mediagene-TV. Voilà, Mediagene-TV. Tu nous rejoins sur Skype. T'as pas besoin de parler, hein. C'est juste écrire. Tu nous rejoins sur Skype, Mediagene-TV. Comme ça, on check bien que c'est toi, ton identité. Que le Maxime qu'on a là est bien le Maxime qu'on a là. C'est facile, on a l'habitude. On le fera off, puisqu'on va pas rester à l'antenne pour ça. Voilà, nous avons tenu notre timing. J'espère que vous avez passé une bonne petite soirée. Attends. Cliquez sur le pseudo. Si. Voilà, si, on si. Peut faire un privé. Bah, alors, on c'est encore plus simple. Bien, écoute, bonne soirée à tous. J'espère que vous avez passé avec nous un petit moment agréable. Vous avez découvert le jeu. Ça n'a aucune prétention de plus que faire essayer de donner envie de jouer à quelque chose. Savoir si nous-mêmes on en a envie. Franchement, moi j'aime bien. Bonne soirée.
Bon appétit si vous n'avez pas mangé, bonne nuit, et nous nous retrouvons demain à la même place, à la même heure, pour la découverte de Tekken. Voilà, voilà. Bonne soirée à tous. Mediagen. Bonne soirée.